belles émotions de deuxième ligue inter au stade Marc Burdet aujourd'hui entre l'équipe de Colébossi qui n'a plus de prétention dans le haut ni véritablement danger dans le bas du classement, actuellement au milieu de ce classement de deuxième ligue inter face au dernier du championnat chipiste qui selon toute vraisemblance devrait être relégué en deuxième ligue au terme de cette saison. On va pas terminer en queue de poisson cette saison, c'est en tous les cas le vœu hein, sans doute de Jorren Driess également, ancien joueur de Mayence en Bundesliga, entraîneur de cette formation de Chipis. Une rencontre, on se réjouit de vivre avec vous, en tous les cas vous faire vivre les meilleurs moments. Avec cette intervention là pour récupérer le ballon avant sa sortie, un cuir dégagé, récupéré maintenant par les Colésiens avec Boukenoufa qui a décalé, ballon qui va venir flanc gauche. Avec Pache, le débordement de Pache, c'est bien joué cette accélération avec le centre. La reprise de la tête et l'ouverture du score. Elle est signée Jonathan Schindler qui marque son 7e but de la saison. Quel joli mouvement proposé par les Colésiens sur cette erreur de relance des joueurs chipillards et l'ouverture du score après 8 minutes hein, de jouer dans ce match par l'intermédiaire de Schindler. C'est un bon coup franc là pour l'équipe valaisanne. Attention, le coup de sifflet de l'arbitre, un ballon enroulé. Ah, ils sont trop de danger là pour Jonas Fontaine qui peut s'emparer de ce ballon qui va pouvoir dégager son équipe. On joue la 12e minute et ce ballon mis sur le pied de Roca Iglesias. C'est Eugène Smith qui va se charger de cette remise en jeu pour l'équipe de Chipis, l'équipe de Jorren Driess menée à la marque 1-0 avec une déviation. Moitou, ouais, il a peut-être été retenu par Boris Sempon, là, le joueur de Chipis qui a réclamé. Le jeu s'est poursuivi. Ça a peut-être échappé à l'arbitre. Hein. Il y a vraiment la ceinture, les deux bras autour de son adversaire. L'honneur pour les Chevaliers. Un ballon mis dans l'axe justement sur Sempon qui peut repartir. Qui cherche des solutions, il va décaler flanc gauche, c'est bien fait de la part des Rouges avec un centre, ballon mis au deuxième poteau avec une reprise. Allez, ce ballon sauvé, coup de sifflet de l'arbitre, c'était habilement fait là de la part de Parigini qui était parvenu à lober le portier avant le coup de sifflet de l'arbitre. Avec ce coup franc pour les joueurs de Jorren Driess, 24e minute, ballon brossé, reprise. Ouais, belle occasion pour Nadim Djan sur ce coup franc et finalement cette prise de balle irréprochable de Jonas Fontaine. Cette remise en jeu encore une fois pour Smith qui va sans doute faire une longue remise en jeu à destination du grand Moitou. Un ballon qui va passer devant tout le monde avec la récupération maintenant, l'intervention du portier Fontaine et le coup de sifflet de l'arbitre qui sanctionne une faute, semble-t-il, de Nadim Djan sur cette phase de jeu. Et ce dégagement pour l'équipe de Chipis, 28e minute. Ballon dans le rond central, une remise de la tête. Schindler, le décalage, c'est bien joué là sur l'honneux. L'accélération de l'honneux qui va rentrer dans les 7 mètres, le tir. Ouais, superbe parade de Robin Brutin là, qui peut détourner ce ballon et le mettre en corner. Quelle belle occasion là proposée par les Colésiens. Cette touche, c'est Candeias qui va s'en charger pour sa formation. Candeias Brito, ballon dans les 16 mètres. Schindler, remise aux 16 mètres. L'honneux, le tir de l'honneux. Bon, encore une fois détourné. Qu'est-ce qu'il est bon, Robin Brutin. Nouvelle parade du portier là. Très très belle intervention sur ce tir. Prenez la direction du but et détournez au corner. Ce décalage de Roca Iglesias. Attention, relance approximative avec un long ballon mis en avant. Moitou. Moitou. Oh, joli l'intervention. Un coup du sombrero d'Izquierdo là par-dessus le géant de cette formation de Chipis. Manuel Moitou, le capitaine chipillard là qui s'est fait mystifier par le joueur de la formation de défenseur de Colébossi. Quelle belle intervention défensive. Et cette passe en retrait, Candeias pour son portier Fontaine. Nouveau décalage de Fontaine. Appel de balle de Schindler, ce sera un ballon pour le numéro 10. Schindler au contrôle de ce cuir, il va le perdre maintenant devant Genou. Et l'arbitre qui met un terme à cette première mi-temps sur la marque de 1-0 en faveur des Colésiens après 47 minutes de jeu. Ça pourrait être 3 hein, sans les interventions de Robin Brutin dans la cage Shipyard. Score de 1-0, match qui reste totalement ouvert.
Et le capitaine des joueurs de Marc Burdel qui peut décaler maintenant avec l'accélération de Michael Pache. Pache, Schedler. Pache, c'est très très bien joué là de la part des Colésiens et du numéro 16 qui déborde. Le centre, la reprise de la tête. Et c'est 2-0 pour Colébossi, 12e minute de cette seconde mi-temps. Et c'est Nicolas Parigini qui peut marquer son troisième but de la saison sur un travail remarquable de relais entre Schedler et Pache. Finalement, le centre de Pache qui trouve alors précisément la tête de son coéquipier pour la deuxième réussite colésienne. Ce ballon finalement intercepté encore une fois par les Roux. Schedler, longue ouverture, c'est bien vu, ce ballon mis dans la profondeur avec un tir croisé, l'intervention de Brutin, très bel arrêt sur le tir de Candeillas. Ah, il est magistral hein, le portier qui évite un score plus large contre son équipe en faisant des parades décisives. Et Schedler au corner, premier buteur hein, de la partie pour l'équipe colésienne. Un ballon repoussé qui va revenir dans les pieds du numéro 10. Schedler, un ballon qui a été contré, repoussé de la tête par la défense. Un pont, petite louche, on s'est bien joué sur Kerouédan avec un sauvetage in extremis. Le bon retour de Moitou là pour sa formation. Et le portier Brutin qui a pu s'emparer de ce ballon. Le défenseur qui doit faire l'effort, reculer pour prendre ce ballon, Herder, avec un long cuir mis en avant. Oh, c'est bien joué à destination de Moitou, qui rentre dans les 16 mètres. Moitou, oh, qui trouve le sommet de la transversale et qui réduit la marque. 36e minute, Moitou qui peut marquer. Oh, il était meilleur buteur de cette formation. Et il l'est toujours hein, avec ses 15 buts, d'ailleurs de la rencontre. 15 buts depuis le début de l'ouvrage et un très joli but avec une superbe ouverture. Alors, ce ballon mis en profondeur pour permettre à Chipis, l'équipe de Jorandris, de revenir à 2-1. Elle convertit une des occasions qu'elle a eues. Elle en a eu quelques-unes. Cette phase de jeu avec cette longue ouverture était superbe. Les Colésiens qui ne mènent plus que 2-1. Dans cette rencontre avec ce décalage pour Pache. Attention, un contre finalement, ballon récupéré. Moitou avec cette remise de la tête pour Perruchou. Perruchou qui va passer, le centre Moitou. Oh, qui manque sa frappe de la tête. La balle du 2 partout, quelques secondes après la réduction de la marque. Sur un superbe centre de Dylan Perruchou. Il était placé idéalement, il manque cette reprise. On en reste à 2-1. Les Colésiens qui remontent ce ballon. Loneux pour Schedler. Schedler qui va revenir derrière lui. Loneux, l'ouverture de Loneux à la limite du hors-jeu avec Kerouédan dans le capitaine. Tout seul qui vient frotter Brutin et qui marque. Superbe ouverture du pied. Et la troisième réussite colésienne signée Kerouédan dans son sixième but de la saison. Joli coup de patte, beaucoup de lucidité lorsqu'il a fallu concrétiser. On récupère comme on peut après cette réussite. On fait d'ailleurs comme on peut également du côté colésien. 3-1. On est à 6 minutes de la fin de cette partie. Et les chevaliers qui reprennent leur deux longueurs d'avance. On est rentré depuis un petit moment dans les 5 dernières minutes de jeu. Ce cuir récupéré par les chipiards perdu. Oh, joli tacle de Loneux. Loneux à côté de lui. Oh, superbe la talonnade de Boukenoufa. Ballon en profondeur avec une possibilité de tir. Le contre. Récupération de ce cuir. Capte qui décale. Et le 4-1. Quelle belle ouverture pour Schedler. Il n'a pas joué égoïste. Le numéro 11 rentré en cours de partie qui sert Schedler pour un doublé et son 8e but de la saison. 43e et même 44e minute, c'est 4 pour Colébossi et 1 pour Chipis. Beaucoup de monde à l'orée des 16 mètres sur ce coup franc de Pache dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Ballon mis au deuxième poteau, reprise de la tête et l'intervention encore une fois de Robin Brutin qui en aura sorti quelques-unes pas mal du tout. Hein, de belles parades de la part du portier. Une des belles valeurs de cette formation de Chipis au-delà du résultat et Loneux qui va pouvoir se charger du corner. Un vent qui souffle toujours hein, sur Marc Burdet avec ce décalage. Kerouédan qui va revenir sur Loneux. Le centre de Loneux s'est repoussé par la défense chipiarde. Moitou, décalage, c'est bien fait. Intercepté encore une fois. Avec une possibilité peut-être d'une dernière offensive. Loneux qui obtient la remise en jeu.
Un ballon mis devant lui sur Palazzo. Et l'arbitre qui a remis à l'ordre un joueur. Ouais, il va prendre le rouge. Il avait déjà été averti. On n'a pas vu ce qui s'est passé avec Axel Herder qui est expulsé dans les derniers instants de ce match, qui doit quitter le terrain. Il est franc fou, le numéro 7. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. C'est un carton stupide hein, dans les derniers instants de ce match, puisque l'arbitre profite de ce moment pour siffler la fin de la partie. 6 minutes de temps additionnel, victoire 4-1 de Kolebosi sur Chipis. Ça va permettre sans doute aux Colésiens de se retrouver dans le top 5 hein, de ce championnat. En tous les cas, d'y figurer à une bonne position. Victoire 4-1 face à Chipis. Avant de nous quitter, on va entendre peut-être quelques réactions sur cette victoire des Chevaliers. Un match très compliqué comme on s'y attendait. Le score a mis longtemps à se dessiner et voilà, il restait sur deux beaux derniers matchs et on a réussi, comme vous le dites, à se sortir du piège. On a une saison magnifique de la part du Kolebosi. On a connu des saisons passées, des saisons plus délicates, plus compliquées. Là, vous avez de la marge, vous êtes dans les quatre premiers. Oui, alors c'est beaucoup de travail, hein, comme toutes les équipes, mais on a surtout un super groupe où on vient à chaque fois à l'entraînement, on travaille très dur, et je pense que c'est le collectif qui monte en puissance, et je pense qu'on peut encore faire beaucoup de victoires. Est-ce que le travail dans la continuité avec Yves Miéville commence à payer ? Ah, tout à fait, oui. Alors ça se ressent plus que jamais. Voilà, c'est vrai que l'année dernière, c'était un petit peu plus difficile, où on a eu des périodes où on était vraiment en délicatesse. Et là, voilà, ces temps, on voit le fruit qui commence à mûrir et le travail porte ses fruits. Voilà. Et de manière personnelle, je crois que c'est votre première titularisation cette année. Il y a eu beaucoup de blessés dans l'effectif. Vous avez fait un bon match, vous êtes satisfait de la prestation ? Alors ben oui, effectivement, c'est ma première titularisation. Je suis très content de pouvoir jouer. C'est un concours un petit peu de circonstances, puisque les deux gardiens devant moi se sont blessés. Et ben moi, je suis content d'avoir pu livrer une performance correcte. Mais il y a évidemment encore énormément de travail à faire de mon côté. On peut dire très compliqué. C'est dommage parce qu'après deux derniers matchs, on gagne. On peut relancer notre deuxième tour. On perd ici, mais voilà, on n'a pas fait le travail. Kolebosi était meilleur que nous et puis c'est une victoire méritée pour eux. Mais on sait qu'il y a encore beaucoup de matchs dans cette fin de saison. Je crois encore 9 matchs à jouer. Donc vous pouvez vraiment remonter au classement avec la bonne série qui était en cours. Ouais, on pourrait, on va tout essayer en tout cas. Mais c'est clair que là on a 13 points. Il faut en tout cas 30 pour se sauver minimum. Donc ça fait qu'il ne reste plus beaucoup de jokers si on veut se sauver. Ça va être très compliqué parce qu'il n'y a aucun match facile. On va jouer les coups à fond, mais ça va être difficile quand même. On sait que dans votre équipe, vous pouvez marquer à tout moment contre n'importe quelle équipe. C'est un peu ce qui pourrait vous sauver. Ça peut nous sauver, comme ça peut aussi nous jouer des tours, parce qu'on prend aussi beaucoup de goals, malheureusement. La consigne du coach avant le match, c'était d'essayer de faire un blanchissage, chose qu'on n'a pas réussi encore au deuxième tour, et puis on prend 4 goals. Donc oui, on peut marquer. C'est une de nos forces, grâce à notre attaquant aussi devant, qui est quand même notre meilleur atout. Mais derrière, si on ne fait pas le travail, ben, on a beau marquer, si on prend plus de goals, on ne gagnera pas.